fait une de ses peurs. Tu pensais voir qui? Le fantôme de l'opéra? Non, j'étais tout simplement ailleurs, c'est tout. J'ai l'impression que tu travailles trop sur cette histoire de lumière de la sorcière. Ah oui? C'est pourtant le sujet de mon étude, à ce que je sache. Tu as raison. J'ai oublié, c'est exact. C'est fou ce que la mer s'est retirée. Quand la lumière se décomposera et que la fatigue accumulée au cours de la grossesse se transformera en joie, tout finira par s'éclaircir et la souffrance de l'enfantement, elle aussi, se transcendra en un bien-être de ton corps. Comment peut-on écrire de pareilles stupidités ? Vous allez bien? Comment ça va? Chance, ouais, petite dame. Elle n'est pas blessée? Non, non, la dame a eu plus de peur que de mal. Vous voulez qu'on vous raccompagne? Vraiment? Non, 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 c'est bon. Vous en êtes certaine? Bah, oui, ça va. Elle l'a échappé belle. Ouais. Ouais, t'as raison, on a ramassé la petite cuillère. Oh, ben, on aurait eu l'air fin, nos gars. Bah, ça alors, où elle est passée? Tu peux me rendre ma balle, s'il te plaît, madame? Merci. J'espère qu'on va se revoir, Tommy. Ça alors? Comment tu sais mon nom? Je te le dirai une autre fois. Mais pour l'instant, tu ferais mieux de rentrer. Ta grande sœur t'a rapporté un petit cadeau, tu verras. Gary, tu ne peux pas savoir à quel point je suis contente que tu sois venue pour faire les photos de mon livre. C'est tellement important pour moi de pouvoir exposer ma théorie preuve à l'appui. Et aussi parce qu'il m'arrive de me sentir dépassée ou effrayée à l'idée de ce que je vais trouver. Je crois surtout que tu t'es trop investie dans ton travail. Tu ne vois pas que tu t'abrutis avec tous ces bouquins. Ils vont finir par te miner la vie avec leur espèce de théorie ésotérique. Je ne plaisante pas, tout ça te fait du mal. Il y a quelque chose d'étonnant. Quoi donc? J'ai observé cet hôtel sous tous ses angles. Et la lumière qu'on peut voir à midi au niveau de la fenêtre du haut. Et c'est un phénomène que je n'arrive pas à m'expliquer. Ça me fait très plaisir d'être venu. C'est comme un paradis ici et je trouve cet endroit plus que fascinant. Je te promets de faire les plus jolies photos de ma vie. Merci. C'est aussi une merveilleuse occasion pour se retrouver seuls, tous les deux. Tout seuls. D'ailleurs, j'ai souvent pensé à nous ces derniers temps. Écoute ce que j'ai trouvé. C'est une superstition infantile ancrée dans l'esprit des gens que de croire que la virginité puisse être une barrière entre l'ignorance et la connaissance. Tu sais, je crois que même un poète dirait que la virginité n'a rien de normal pour une femme.
Tu te rends compte qu'on pourrait vivre des vacances de rêve? Tu ne vas pas recommencer. Reconnais que c'est plutôt étonnant d'être encore vierge à ton âge. Ce n'est pas... N'en parlons plus. Compris? Si tu veux, excuse-moi. Je ne recommencerai plus, c'est promis. Maman, pourquoi est-ce que tu t'es mis en tête d'acheter cette île? C'est une très bonne affaire. Enfin, tu imagines, tout près de Boston, on pourrait aménager ça en magnifique club, je veux dire. Un club privé select, quoi. Nous allons tout remettre en état. Oh, bien sûr, je ne te cache pas qu'au départ, ton père s'est montré plutôt sceptique. Mais il verra que j'avais raison. Je vais transformer cet endroit et en faire un paradis. Cher, tu peux faire une croix là-dessus. Hein? Et pourquoi ça? Notre architecte vient de se briser la jambe. Oh. Il est à l'hôpital et on ne sait pas pour combien de temps. Alors, sans cet individu, on ne fera aucune visite. On n'ira pas sur cette île. Il ne faut jamais s'avouer vaincu. On changera d'architecte. Une de mes amies, justement, m'avait parlé d'une personne tout à fait formidable. Eh bien, je crois que les Taylor avaient fait appel à elle pour leur maison en Floride. Voyons voir, j'ai dû noter son téléphone. Ça y est, je l'ai retrouvé. Tu veux décrocher? John, c'était pas le téléphone, ça? Non. Je vais le prendre. Allô? Bonjour, je suis Freddy Brooks. Pouvez-vous venir estimer un hôtel que ma femme voudrait acheter? Ce sont les Taylor qui nous ont parlé de vous. Les Taylor? Vous aurez donné mes coordonnées? Oui, pourquoi? Mais c'est que je connais personne de ce nom. Très bien, mais pour ce qui est de notre affaire, est-ce qu'on peut se voir demain, par exemple? Sans problème, je suis libre demain après-midi. Bon, ben alors disons 16 heures au port. C'est parfait, merci. À demain. Bon. Faut pas m'en vouloir, John. Je sais. Je dois m'en aller. Et toi, tu dois travailler. Non. J'aimerais que tu restes cette nuit. Mais... on me fera pas de partie de jambes en l'air demain, hein? Parce que j'ai un rendez-vous d'affaires. Je ne saurais jamais ce que tu aimes le plus, le boulot ou les jambes en l'air. Tu me déçois. T'es quand même le mieux placé pour le savoir. Toi, convoitise turbulente, puisses-tu te perdre dans les eaux d'une femme mûre. Et que la vertu revienne calmer les assauts de ton ardeur perverse. Qu'est-ce que tu dirais si je me glissais sous tes... Fais-moi plaisir, Gary. Glisse-toi dans ton duvet. Je t'en prie. Écoute, Leslie, je me fais beaucoup de soucis à ton sujet. Je crois qu'il faut qu'on parle tous les deux. Je n'ai pas du tout envie d'en parler. Je préfère dormir. Bonne nuit, Gary. Faites beaux rêves. Trocknet.
la barricade. Als die Meere uns verließ, und der Regen ihnen folgte und die Pflanzen sich geweigert, das geringste noch zu tun, sprach langsam drauf und jetzt das Polen war geschlossen. Diese Herren dieser Welt, de bien vouloir m'excuser, mais je dois partir. Mon fils Jerry sera parfaitement en mesure de vous aider. Soyez-en sûr, il est au courant de votre affaire. Et j'espère que ça vous plaira. Enchanté d'avoir fait de votre même, monsieur. Madame, mes hommages. D'une centaine de mètres carrés au sol. Six étages, c'est bien cela? En ce cas, donnez-nous 15 jours. Je suis chargé de vous montrer la propriété. Au revoir, madame. Monsieur Brooks. Madame Brooks, avant tout, je pense que vous avez fait un excellent choix. L'exposition est bonne, avec vue sur l'océan dans toutes les pièces. De plus, on a fait remettre l'électricité il y a peu de temps. Croyez-moi, vous faites là un très bon investissement. Je dirais même que vous avez du nez pour les affaires. Oh, je n'en doute pas le moins du monde, mais nous visitons d'abord l'endroit et ensuite on décidera. Nature vorace et maléfique, ton appétit glouton jamais ne se rassasie. Avant même d'avoir pu apprécier le fruit dans toute sa saveur, tu le désires déjà. Plus tu en manges et plus tu penses au suivant. Tout ça sans fin. Gary ? Bonjour. Je m'appelle Cindy, c'est quoi ton nom? Tommy. T'habites ici? Non, mais mon papa, il veut acheter cette maison. Regarde. Il faut pas y aller, il se passe des choses bizarres. Ma maman m'a dit une fois qu'une sorcière y habitait. Au revoir, Tommy. Qu'est-ce que c'est? Allez, Gary, dépêche-toi, il faut absolument profiter. Bien. Prends-en un maximum, vas-y. J'en prendrai d'autres demain, sous un autre angle. Enfin, on a déjà une belle série sur ta sorcière. Fantastique. Est-ce que tu es belle comme ça? Ne bouge plus. Un petit effort, ouvre les yeux. Oh, je t'en prie, arrête. Non, je t'en prie, ne te fais pas prier, ma petite chatte. Clic, 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 clic. Arrête, j'en ai marre, moi. Monsieur Brooks? Oui? Bonjour, je vous prie de m'excuser pour ce retard. Je suis vraiment désolée.
C'est pas dans mes habitudes de pas être ponctuelle. Oh, je vous en prie, vous n'allez pas vous excuser, Linda. Vous me permettez de vous appeler Linda? Bien sûr. J'aimerais savoir ce qu'on attend pour se mettre en route. Je te rappelle qu'on est là depuis une demi-heure. Croyez-moi, je suis vraiment désolée, mais il y avait des bouchons. J'aimerais avoir une estimation sur le coût des rénovations, mais laissez-moi vous mettre les points sur les i, mademoiselle Derver. Nous ne sommes pas des millionnaires, pas encore. Tiens, va t'asseoir là-bas, Tommy. Tu auras un petit peu moins froid. Voilà. Mais pourquoi avez-vous eu tant de mal à trouver quelqu'un pour nous transporter sur place? Oh, vous savez, les marins sont un peu superstitieux. Et il y a beaucoup de légendes au sujet de cette île. On parle de sorcières, d'esprits maudits. Vous voulez mon opinion? Vous allez en faire un véritable paradis. Tu appuies sur ce bouton ici. Ça fait démarrer la cassette que tu as mise et alors tu écoutes la musique. Et tu peux l'arrêter là. Avec ce bouton-là, tu peux aussi enregistrer ta voix si tu veux. Jane aime son petit Tommy très fort. Tu peux écouter en appuyant là. Jane aime son petit Tommy très fort. Tenez. Je t'aime, Jane. 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 J'ai fait du café, t'en veux un peu? Pas pour l'instant. Je me bagarre avec ce projecteur. Je ne sais pas comment il a atterri ici, mais je voudrais le faire marcher. Oh zut, on va avoir du monde. Oui, alors? Nous sommes sur une île privée. Ça, je le sais. Mais tu as demandé une autorisation pour faire des recherches, je crois. Bien sûr, oui. Ensuite? On ne me l'a pas accordé. Oh, c'est pas vrai. Pourquoi tu m'as pas dit la vérité? Voilà, on va avoir des ennuis. Dépêchons-nous. Allez, vite. Alors écoutez, si vous n'êtes pas de retour à marée basse, je vous préviens, je m'en vais. Ne t'inquiète pas, on sera là, Sam. Promis, juré. Ouais, vous avez intérêt. Je suis pas trop fatigué? Non, ça va. Qu'il peut m'énerver, celui-là. Oh, tout ça, c'est bien ta faute. Tu n'avais qu'à lui donner un plus gros billet à cet homme. Ces gens-là ne marchent qu'au pourboire, tu le sais. Je croyais que c'était mieux conservé. Oh, mais il ne faut pas vous y fier, madame. Ça aura une autre allure avec un coup de peinture. Tenez, regardez-moi ce panorama. C'est calme, tranquille, loin du bruit. Mais venez plutôt voir à l'intérieur. Je suis sûr que vous tomberez sous le charme, madame. J'espère bien. Cet endroit est absolument fou. Vous verrez, vous ne regretterez pas votre acquisition. À mon avis, vous avez raison de faire cet investissement. Je suis persuadé que vous l'amortirez en très peu de temps. En très peu de temps, ça ne fait aucun doute. Je crois même que d'ici un an, vous serez rentré dans vos frais. Laissez-moi vous montrer le grand salon. Vous serez émerveillé. C'est très spacieux, comme toutes les autres pièces, d'ailleurs. C'est un vrai château de cartes, ici. Vous soufflez et tout s'écroule. Ça va me coûter une véritable fortune en travaux. Mais madame, vous l'avez eu pour une bouchée de pain. C'est bien en dessous de sa valeur, marchande. Tout ça est une histoire de coïncidence. Oui, car si les anciens propriétaires n'avaient pas été aussi pressés de se débarrasser de cet adorable palais, ils en auraient certainement demandé le double. Ça, oui. Et c'est pour ça que je vous disais que vous avez eu beaucoup de flair pour les affaires. En êtes-vous certain? Je n'en doute pas, et je l'ai vu dès le début. Je ne me trompe jamais. Venez par ici, s'il vous plaît, vous allez voir. La cuisine est absolument fabuleuse. C'est à vous donner une envie de passer vos journées devant vos fourneaux, madame. Je crois que les travaux ne devraient pas être trop élevés. Les structures sont encore bonnes. Peut-être, mais tout cela semble représenter beaucoup de travail à mes yeux. Moi, j'ai la chair de poule dans cette maison. Non, mais soyez sans inquiétude, on peut remettre le chauffage en un tour de main. Oh, oh.
à personne ici, Tommy. Personne. C'est dommage que tout ce monde soit venu aujourd'hui. C'est vrai, ça. S'ils étaient venus demain, nous serions déjà loin. Je crois qu'on a fait suffisamment de photos comme ça. On peut prendre le Zodiac et puis adieu. Ils vont nous voir et croire qu'on est des voleurs. C'est bête comme idée. Ah oui, tu trouves ça bête? Et qu'est-ce que tu proposes, alors? On attend qu'ils s'en aillent. Foutu. Le café est sur le réchaud. C'est bizarre, c'est encore chaud. Ça veut dire que quelqu'un est venu ici il y a très peu de temps. Ou bien alors, que cette demeure est habitée. Voyons, c'est impossible. Je vous assure qu'il n'y a absolument personne. Et puis je crois que mon père m'en aurait parlé. Personne depuis des années. La dernière résidente, ça c'est ce que les gens racontent, était une femme, c'était une actrice. Elle était venue ici pour un tournage et elle est tombée amoureuse de l'endroit. Je la comprends, il faut dire que cet hôtel est absolument de toute beauté. Vous avez déjà vu tant d'élégance? Enfin, quoi qu'il en soit, je crois qu'elle a fini par se décider à rester vivre ici. Non, toute seule? Oh, ça je l'ignore. Je sais qu'elle est devenue un peu, je dirais un peu atteinte. Mon père a des souvenirs d'elle. Il l'a vue au cinéma quand il était tout petit. À la fin de sa carrière, on l'a comparée de plus en plus à... la grande Gloria Swanson dans Sunset Boulevard. Eh bien, si c'est elle, votre père a eu de la chance. Elle est de toute beauté. Et les gens disent qu'elle a arrêté de faire du cinéma parce qu'elle ne supportait pas l'idée qu'on puisse la voir vieillir. D'ailleurs, son dernier film n'est jamais sorti. Elle a dû payer le producteur pour qu'il ne l'exploite pas. De toute façon, à l'époque où elle a arrêté sa carrière, eh bien, elle avait l'âge de la retraite. Elle est probablement morte depuis... Et si elle vivait encore? Thank you.
Qu'est-ce que tu parles, ma chérie? Jane, mais calme-toi, nous sommes tous là. Mais que s'est-il donc passé? J'en sais rien du tout, moi. J'en sais rien, moi. Quelque chose voulait m'aspirer dans la baignoire. Ça va mieux maintenant. Viens, nous allons descendre, tu vas te reposer. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'invente pas, je suis pas folle. Je crois que c'est bientôt l'heure de la marée basse. Il vaudrait peut-être mieux retourner au bateau. Oui, je le crois aussi. J'en ai assez vu pour aujourd'hui. Tiens, nos visiteurs s'en vont. C'est une bonne chose. Mais je crois que j'ai assez d'éléments et je n'ai plus envie de rester dans le coin. D'ailleurs, ça vaut mieux. Compris. Je vais aller récupérer le réchaud, pourvu qu'il ne l'ait pas pris. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, hein? Je t'avais dit d'être plus généreuse avec lui. Cette malheureuse ne se sent pas très bien, il faut qu'on retourne au port. Papa, je vais bien, t'en fais pas pour moi. Mais moi, j'aimerais bien quitter cette île bizarre et tout de suite, vois-tu. Voyons, monsieur, rendez-vous à l'évidence, c'est impossible pour l'instant. On devrait plutôt aller attendre dans la maison. Je suis sûr que mon père prendra toutes les mesures nécessaires pour nous sortir d'ici. Ça, je l'espère bien, jeune homme, car c'est vous qui nous avez mis dans le pétrin en vous fiant à ce crétin. Elle a l'air adorable. Vous pensez pouvoir tenir le coup en travaillant pour cette enquiquineuse? Elle m'a dit que ça fait des années qu'elle habite ici. Mais je l'ai déjà vue hier après-midi. Elle était dans le parc. Et elle était comment? Elle est vieille, elle était toute en noir. Regarde, c'est elle là-haut. C'est la vieille dame en noir. Mais qui êtes-vous? Bonjour, je m'appelle Gary, je suis photographe et je suis venu ici avec une amie qui prépare un livre sur cette histoire de lumière de la sorcière. Mais vous ne pouvez pas rester ici, c'est une propriété privée et vous une avez petite absolument... minute, vous avez dit lumière de la sorcière? Enfin, ne l'écoutez pas, voyons, ce sont des racontars. Vous savez bien que tout le monde est superstitieux ici. Et c'est pourquoi j'étais impatient de visiter cette île. C'est que son mystère me fascine au plus haut point. Oh, il y en a assez, tout ça nous est égal. Pour l'instant, le mystère est de savoir comment nous allons pouvoir nous en sortir. Je peux peut-être vous aider. Mon zodiaque me paraît tout indiqué. Je ne crois pas qu'on puisse tous tenir dedans, mais je vais peut-être le prendre et aller chercher de l'aide. Avec cette mer déchaînée, mais vous n'y arriverez pas avec un vulgaire petit zodiaque, mon pauvre ami. Mais ne vous inquiétez pas, dès que mon père se rendra compte de notre retard, il enverra quelqu'un nous chercher. Eh bien, pendant ce temps, je vais faire honneur à la maison. Je vais préparer du café. Bonne idée. Je doute qu'il soit branché. Mais comment l'avez-vous su? Bon, ça va, Ginny. Vous pouvez rentrer chez vous, je vais rester encore un peu. Merci. À demain. Oui, c'est ça, au revoir. Vous
vous prendrez bien un petit peu de café. Il ne vaudrait mieux pas. Vous comprenez, cette boisson est très mauvaise pour ma femme, elle est un peu nerveuse. Mes nerfs se portent très bien. J'ai juste la migraine. Oh, quelle infection! Voyons, si tu ne te sens vraiment pas bien, pourquoi n'irais-tu pas là-haut te reposer? Après tout, chérie, ne sommes-nous pas dans un hôtel? Jeanne, donne-moi une de tes petites pilules. Mes pilules, je les avais pourtant sur moi. Je crois qu'elles sont dans la baignoire. Bon, eh bien, en ce cas, elles ne peuvent pas s'être envolées. Je vais aller les chercher. C'est très gentil, Tommy. C'est ça que tu cherches? Oui, merci. Tu veux venir voir mes parents? Non, pas tout de suite, Tommy. Rien ne presse. Ah, j'avais raison. Elles devaient être par terre. Tu vois, Tommy les a trouvées. Non, c'est la dame en noir qui me les a données. Tu arrêtes ces bêtises ou c'est la fessée, tu m'entends? Tommy, viens par ici. Ne fais pas la tête. Regarde-moi. Viens près de moi. Oh, je vais monter et me reposer. J'en ai assez de cette migraine. Dieu seul sait combien de temps on va rester coincé ici. Moi, ça me déplairait pas d'avoir à passer la nuit ici. Qu'en dites-vous? Dans un tout petit peu plus de 3 mois, tu auras un petit neveu ou une petite nièce. Ça te fait plaisir? Ah oui? J'ai envie d'aller au cabinet, je peux? Ah, c'est vrai. Tu sais où c'est? Oui. Entendu. Est-ce que vous croyez aux phénomènes paranormaux? Que voulez-vous dire? Bien, c'est votre profession ou est-ce que c'est juste un hobby? Je pense aux sorcières, aux esprits, aux malédictions et tous les phénomènes inexplicables. Oh oui, ça fait des années que j'étudie tout ça et vraiment j'y crois. Mais qu'est-ce que c'est-il à avoir avec tout ça?
Eh bien, c'est simple, on a brûlé beaucoup de sorcières sur cette île dans le passé. Et le bouquin que vous traduisez, c'est quoi? Oh, c'est un vieux livre allemand. Il s'agit d'une femme accusée de sorcellerie. Elle était malheureusement enceinte, alors pour éviter le bûcher, elle préféra se jeter du haut de cette bâtisse. Et tout ça s'est passé sur une île du Nouveau Monde, dont la description correspond à la vôtre. Je n'ai rien touché. Ça s'est mis en marche tout seul, je le jure. Il y a trois portes vers l'enfer. La première mène à l'avidité. Désormais, elle se fermera pour l'éternité. Une cheminée, autant l'utiliser. Ça nous réchauffera, ça nous reste. C'est une bonne idée, monsieur Brooks. Prenez cette chaise, ça devrait convenir.
Ne le dites pas à votre femme. Elle serait capable de me demander des dommages et intérêts. C'est atroce. Mais c'est normal, ça fait bien longtemps qu'elle n'a pas servi. Non, c'est la tempête. Et il y a du vent. Ça commence à tirer mieux, heureusement. C'est très joli, ce que vous avez là. Ça a de la valeur? Je n'en sais rien. Vous ne le quittez jamais, Jerry? Même au lit? Vous gagnez à être connu, vous? Vous croyez? Je vais aller chercher Tommy. Je pense qu'il est avec maman. Oui, vas-y, ma chérie. Moi, je préfère lire. Derrière ce petit garçon à son papa se cache une véritable bête de sexe. Et vous en cherchez la preuve? Vous semblez tellement curieuse. Je crois que je vais aller m'allonger un peu. Je suis un peu fatiguée. Ouais, je crois que je vais faire la même chose. On n'a plus que ça à faire vu qu'on est bloqué ici. Monsieur Brooks, vous trouverez bien le temps de venir me voir en cas d'urgence. Bien sûr que oui. C'est gentil. Bonne nuit. Je me demande quelle sorte de bois ça peut bien être. Ça dégage une odeur particulièrement désagréable. Ça s'est rafraîchi cette nuit. Gary, je... Tommy? Tommy? Thank you.
C'est incroyable. Et ici, c'est bourré de chambres, mais il n'y a pas un seul lit. Qui dit qu'on a besoin d'un lit, voyons. Une seconde. Vous, alors, vous avez de ces idées. Oh, quel spectacle troublant. Je vais vous aider. Un conseil, mon petit ami, il faut faire attention aux femmes, elles vont te rendre fou. Où sont passés les autres? J'en sais rien. Tommy, où étais-tu passé? J'ai eu peur, je t'ai cherché partout. Aussi bien que moi, mon garçon. Tu sais bien que ces vagues sont très meurtrières. Enfin, bref, si ça peut te rassurer, je peux toujours aller jusqu'au port voir si je trouve ça. Oh, tu n'as pas à te faire autant de soucis. Après tout, ils sont à l'hôtel. Et me dis pas que tu es devenu superstitieux, mon garçon. Retire-moi ce maillot de grand-père. La deuxième porte est la porte qui mène à la luxure, la même où le désir de la chair est toujours enflammé. Thank you.
endroit semble irréel. Oh, pourtant, nous y sommes. Monsieur Gordiano? Linda! Allô? Linda, où êtes-vous? Mais répondez! Oh, bon sang, répondez, où êtes-vous? Pour qu'il te délivre. Vous êtes là? Linda? Vous avez bien dit Sam? Non, je crois pas qu'il soit encore là-bas. J'ai aperçu son bateau dans la direction opposée cet après-midi. Vous êtes sûr que c'était vraiment son bateau? Non, ben si c'était pas lui, je pense que je devrais me faire faire une paire de lunettes. Et vous ne pourriez pas m'emmener à Lille avec votre bateau? Mon fils est certainement coincé là-bas. Je suis vraiment désolé, monsieur Gordiano, mais ce serait du suicide d'aller là-bas maintenant. Vous oubliez qu'il y a une tempête. Je vous paierai tout ce que vous voudrez. Je pourrai jamais rien dépenser si je meurs. Je me souviens que quand j'étais petit, j'étais comme toi, Tommy. J'avais tout un tas d'amis, et je parlais souvent avec eux. Et quelquefois, eh bien, ils me répondaient. Je pouvais aussi imiter leur voix, c'était facile. Tu vois, toi aussi, tu fais la même chose. Sauf que moi, je ne parlais pas avec la vieille dame en noir, mais avec le capitaine Nemo. Il était très grand et très gros. Tu aurais dû voir ça. Il était tellement gros que quand il se... Harry. Quand il se baladait à la maison... Je reviens, tu m'attends? Oui, alors, qu'est-ce qu'il y a? Il vient de se produire des choses particulièrement étranges. Je vais vous le montrer, venez. D'un seul coup, la lumière s'est éteinte et quand je suis rentré, il n'y avait plus personne. Mais peut-être qu'il voulait rester seul. Oh mon Dieu. On ne peut pas la laisser comme ça.
prend le sang d'une vierge. Jerry! Oh, regardez ça! C'est lui. Mon Dieu, c'est Jerry. Il faut s'en aller tout de suite. On doit quitter cette île. Quitter cette île. Vous êtes fou. Leslie. Leslie. Dieu merci, tu n'as rien. Bon, écoute-moi. Linda et Jerry ont malheureusement été tués. Alors tu mets ton anorak et il faut qu'on parte tout de suite. La croix renversée sur laquelle Jerry a été brûlé et la gorge tranchée de Linda. Tout cela fait partie d'un très vieux rituel. Satanique, malheureusement. Où est maman, tu le sais? Je l'ai pas vue. Il se peut qu'elle ait eu des problèmes, il faut essayer de la retrouver.
Nous sommes pris au piège. Cette île est maudite, il faut s'en aller. Bien sûr, on va prendre mon Zodiac. Une petite minute. On pourrait peut-être envoyer un message. Il faut se dépêcher. Tenez, prenez ça. Ça y est, je l'ai trouvé. Quelle poisse! Ce truc est tout mouillé. Tenez, prenez donc ça. Merci. Il n'y a plus qu'à espérer qu'une bonne âme voit cette fusée. Oui. Bon, allez, maintenant, faut rentrer. Je m'inquiète pour tous les autres. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu devrais dormir. Je viens de voir un signal de détresse, je parie que ça vient de l'île. Ma pauvre Cindy, à force de regarder tout le temps des films d'horreur, tu vois des trucs là où il n'y en a pas. Je t'assure, c'est la vérité. Ça suffit comme ça, tu vas dormir. Tu devrais être au lit depuis longtemps. Tout ça n'a absolument aucun sens, c'est du charabia. J'aimerais bien le réécouter, on dirait que c'est de l'allemand. Selon moi, cet enregistrement est la clé du mystère. Mon fils est bloqué là-bas avec des clients, ils doivent être en danger. J'ai vu leur signal de détresse de mes propres yeux. Non. Vous n'avez pas le droit de les abandonner. Non, je vous crois bien sûr. Mais dites-moi comment faire pour y aller. Même Dieu n'affronterait pas une mère aussi déchaînée. Quoi? Vous devez trouver quelque chose. Il est possible que mon fils soit en danger. Vous voulez sa mort et celle des autres sur la conscience? La colère due à l'avidité. La luxure due à la prostitution. Le fruit de l'accouchement. La pureté du sang d'une vierge. Tout cela ressemble bien à de la sorcellerie. Il y a un dénominateur commun qui rassemble tous ces cultes. La pureté du sang d'une vierge.
F comme frisson. B comme blessure. À mon avis, il s'agit là d'un sortilège plutôt rare. Un problème ? Non, non, c'est rien. Mais qu'est-ce qu'il signifie ? Comment vous l'expliqueriez ? Je ne sais pas. Tout cela m'échappe complètement. Je ne peux rien dire. Monsieur Brooks ? Monsieur Brooks ! Monsieur Brooks! Calmez-vous! On va vous sortir de là, n'ayez crainte! Là, ça va aller! Attendez! Gary! Doucement. Calmez-vous. On est là. Ne pensez plus à rien. Ça va mieux? Écoute, c'est... Tu entends? Ils ont vu le signal. C'est un hélicoptère. Bateau.
Tommy! Poussez-vous! Poussez-vous! Faut trouver un moyen! Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Les empêcher de partir! Laisse tomber, viens. Dépêche-toi.
Justement, je vous attendais. Je vous ai tous choisis avec le plus grand soin. Vos âmes faibles sont parfaites pour moi. Elles sont la source de mon existence. Et cette enveloppe est le vase qui va les recueillir tous ensemble. Ainsi, il achèvera ma mission. Ça suffit, Jenny. C'est pas ça. Il y a trois portes qui conduisent à l'obscurité. Celle de la luxure, celle de l'avidité et celle de la colère. Linda pour la luxure et Rose pour l'avidité. La colère de la sorcière, celle que l'on a persécutée. Seulement, il me fallait le bébé, et le seul élément qui réunit, et en même temps complète le reste, c'est la perte de la pureté. Ce fut la tienne, Leslie. On est perdu. Pousse-toi. Vas-y, sauve-toi. Toi, tu prépares le Zodiac. Je ramène le petit. Courage. Tommy ? Tommy, où es-tu ? Tommy, réponds, c'est moi, Gary. Tommy, tu es là. Tommy, je suis content de te voir. Tommy. Je suis là. Oh, Dieu soit loué, tu es là. Gary. Thank you.
Reviens, Tommy! Tommy et vous pourrez sortir de l'hôpital. Vous n'avez aucun souci à vous faire. Votre choc n'aura pas d'effet sur votre bébé. Mon bébé? Ah!